Nouvelle recrue de touche pas à mon poste depuis la rentrée, Jacques Cardoz demeure une personnalité très secrète. On sait néanmoins qu'il est en couple depuis près de 30 ans avec la même femme. Dans Touche pas à mon poste, le journaliste avait fait de rares déclarations à son sujet. La suite après la publicité depuis la rentrée de Touche pas à mon poste sur C8, il y a eu du changement au sein de la bande de Cyril Hanouna. L'animateur a en effet souhaité renouveler son équipe et a pour cela recruté de nouveaux chroniqueurs. Parmi eux, on retrouve désormais chaque soir Jacques Cardoz. À 54 ans, le journaliste s'essaye là à un nouvel exercice, lui qui est surtout réputé pour avoir longtemps incarné le magazine de France 2 Complément d'enquête. Dans le passé, Jacques Cardoz a également été grand reporter pour Envoyé spécial mais aussi correspondant à New York et Londres. Si son CV impressionnant est bien connu de tous, Jacques Cardoz préserve davantage sa vie privée. L'homme de télé est pourtant en couple depuis de nombreuses années. Il a toutefois toujours réussi à garder secrète l'identité de sa compagne. Le 17 octobre dernier, dans Touche pas à mon poste, il a néanmoins accepté de livrer quelques confidences à son sujet. Il a ainsi révélé être marié avec sa femme depuis 1996 et s'épanouir chaque jour à ses côtés. C'est un couple qui tient. Avait-il lâché ? Non sans fierté. Jacques Cardoz précisait que sa chère et tendre était sa première fan et ne manquait jamais ses apparitions à la télé. Du moins, dès qu'elle le pouvait étant donné son métier très prenant à elle aussi. Elle me regarde tous les soirs. Sauf quand elle est en vol, parce qu'elle est hôtesse de l'air, a-t-il fait savoir devant ses camarades. Décidé à en savoir davantage, Cyril Hanouna avait insisté un peu plus en demandant à son chroniqueur les circonstances de leur rencontre. Et là encore, Jacques Cardoz a créé la surprise. Je l'ai connue alors que j'étais danseur et elle aussi. Elle était danseuse, elle est devenue hôtesse de l'air, et moi, je suis devenu journaliste, avait-il révélé. Car oui, avant de devenir le grand reporter qu'il est, Jacques Cardoz s'est d'abord essayé à la danse classique. À son arrivée dans Touche pas à mon poste, il n'avait d'ailleurs pas hésité à réaliser quelques pas en direct, subjuguant ainsi le public qui ne s'attendait pas du tout à un tel talent. La suite après la publicité.